Salut à toi, c'est Nicolas de Reboot Mastery. Aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi tu ne veux pas arrêter le porno. Et pour être plus précis, pourquoi ton cerveau ne veut pas arrêter. Imagine que tu te promènes en forêt et tu dois choisir entre deux chemins. Il y en a un qui est large, dégagé, et tu le connais bien, et l'autre qui est broussailleux, et il te fait peur parce que tu ne sais pas vraiment où il va. Tu choisirais lequel des deux? Alors naturellement, ben, tu vas choisir celui que tu connais bien, celui qui t'est familier et facile. Eh bien, c'est exactement comme ça que fonctionne ton cerveau quand tu es pris dans une addiction. À chaque fois que tu consommes du porno, tu renforces les mêmes connexions dans ton cerveau. Un petit peu comme si tu empruntais le même chemin dans la forêt. Plus tu l'empruntes, plus tu le renforces, plus il devient rassurant et facile. Et ce qui se passe quand tu veux vraiment agir pour te sortir de cette situation, c'est que tu es face en fait à deux choix. Le premier chemin, habituel de l'addiction, facile mais destructeur, et l'autre chemin plus difficile et qui te fait peur, qui est celui de l'accompagnement et du coaching. Alors, qu'est-ce que tu peux faire si tu te trouves dans cette situation? J'aimerais te partager une citation d'Albert Einstein que j'aime beaucoup et qui peut vraiment t'aider. Einstein, il a dit quelque chose de très sage. Il a dit: on ne résout pas un problème avec le mode de pensée ou le schéma de pensée qui l'a créé. En gros, ça veut dire que tu ne peux pas sortir de ton addiction en utilisant ta façon de penser, de décider et d'agir qui t'a poussé dans cette situation. Ça ne peut pas marcher. Et malheureusement, c'est ce que tu fais et ce que j'observe moi dans mes appels d'évaluation. Le problème, c'est que tu essaies de résoudre ton addiction avec le même schéma de pensée qui t'a conduit à cette dépendance. Alors tu vas me dire, mais c'est quoi exactement ce schéma de pensée? Ben, c'est choisir toujours la voie de la facilité. Ce que j'observe quand je t'ai en appel, c'est que consciemment, tu cherches des solutions. Tu as vraiment envie de t'en sortir. Mais ton addict intérieur, lui, il cherche toujours la voie de la facilité. Faut que tu comprennes un truc important, c'est que en fait, ton cerveau, il s'en fout que tu veuilles arrêter le porno. Lui, ce qu'il veut, c'est sa dose de dopamine. Donc, t'imagines bien qu'entre deux chemins, un qui est facile et rapide et l'autre qui demande des efforts et qui apporte une satisfaction sur le long terme, bah, c'est vite vu, ton cerveau, il va choisir la solution facile et rapide. Malheureusement, c'est souvent ton addict intérieur qui l'emporte parce que c'est ce schéma que tu as pris l'habitude d'activer en consommant du porno. Alors, est-ce que ça veut dire que tu es voué à l'échec? Est-ce que tu es condamné à l'échec? Bien sûr que non. Pour en revenir à Einstein, si tu veux vraiment changer ta vie, te libérer de ton addiction, il faut que tu prennes des décisions différentes que celles que tu as eu l'habitude de prendre jusqu'à maintenant. Et je sais que c'est pas facile. C'est pas facile de faire le choix de l'accompagnement. Ça demande de l'engagement, en termes financiers, en temps et en énergie. Et en plus, tu dois faire face à une peur qui est liée à ton addiction, qui est la peur de ne pas pouvoir y arriver. Donc, c'est normal pour toi d'avoir peur. Mais qu'est-ce que tu peux faire pour contrer tes peurs et tes incertitudes? Pour les surmonter, raccroche-toi à de la certitude. Mais tu vas me dire, oui, d'accord, mais à quelle certitude je peux me raccrocher? Bien, je vais t'en donner trois. Première certitude, le meilleur moyen pour que rien ne change, c'est de continuer à faire les mêmes choix. Tu peux être sûr à 100% d'une chose, c'est que choisir la voie de la facilité t'amènera toujours à la même destination, celle de l'addiction. La deuxième certitude, c'est ce que dit Einstein. Le seul moyen d'être sûr d'avoir des résultats différents, c'est de faire des choix différents, d'accepter d'emprunter la voie inconfortable. Donc tu peux être sûr que si tu fais des choix différents, tu auras immanquablement des résultats différents. Et enfin, la troisième certitude, c'est la suivante. Te faire aider pour te libérer de ton addiction, c'est avancer dans la bonne direction. Je sais que tu as peur de ne pas y arriver, mais rappelle-toi une chose, le coaching, c'est de l'enseignement. Or, tu ne peux pas ne pas apprendre. Tu peux abandonner, ça oui, mais tu es obligé d'apprendre. Or, si tu as appris, alors ça veut dire que tu n'es plus la même personne que lorsque tu as démarré. Et cela veut donc dire que tu as avancé de plus en plus vers ton objectif.
Je te laisse sur cette réflexion. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à la partager si tu penses qu'elle peut aider quelqu'un. Et n'hésite pas également à réserver un appel d'évaluation si tu souhaites faire le point sur ta situation et avoir des pistes de réflexion pour pouvoir avancer vers ton objectif. Je te dis à très bientôt dans une autre vidéo.